Bordeaux, le conducteur qui avait blessé un policier après un refus d'obtempérer condamné à 18 mois ferme. Un jeune automobiliste de 18 ans a été condamné à 18 mois de prison ferme lundi à Bordeaux, après un refus d'obtempérer. Lors de l'intervention, un policier avait été grièvement blessé au genou. Mardi 27 août vers 17h45, des policiers ont essuyé un refus d'obtempérer dans le quartier des Aubiers à Bordeaux. Le conducteur d'un véhicule Peugeot 2008 n'a pas voulu se soumettre au contrôle et en prenant la fuite, il a blessé un policier au genou. Une blessure qui se traduit par 45 jours d'incapacité totale de travail, ITT, précise Sud-Ouest. Au volant d'une voiture volée, sans permis. Le chauffard a été arrêté 4 jours après les faits, le vendredi 30 août, et jugé en comparution immédiate ce lundi 2 septembre. Le tribunal a prononcé, selon le quotidien régional, une peine de 18 mois ferme avec maintien en détention pour conduite sans permis, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger de la vie d'autrui, recel de vol, usurpation de plaques d'immatriculation, rébellion et transport de stupéfiants. Pour sa défense, le jeune homme a expliqué qu'il faisait juste des tours dans le quartier pour s'entraîner, avant de passer le permis. Son avocat a aussi précisé qu'un des passagers, mineur, avait reconnu être le propriétaire de la drogue retrouvée dans le véhicule.